Gosse, quand t'as 3 items, c'est GG. En fait, tout dépend des fights. Si Kaïm est fait, dès que je joue sans clan, je peux pas jouer au jeu. Tu vois. Et Gosse, c'est vraiment fort. Et clan, c'est big aussi. Hein. Tu la traînes quoi ce soir? Je vais essayer Breakfast. Et sinon, sinon ce sera Trials ou Céleste. On se colle ici dans la méta. Bon champ. Bon champion, bon champion. Ils ont une très bonne duo bot. Fais attention à ce que Taïk vienne pas ici en rentrant en stun. Ils ont une très bonne duo bot. On a une bonne duo bot. Donc le Taïk et Kaïm me théorise un peu. Hein. C'est jouable au clavier Breakfast? Ouais, moi je joue au clavier, pense. Je joue totalement jouable au clavier. Quand tu vois mon Trackmania est totalement jouable au clavier. Bon, faut faire attention sur la lane. Après, on peut facilement abuser avec Rek'Sai par contre, hein, parce qu'on a un très bon ganker en jungle. Parce qu'on est une compo globalement plus ou moins early, mais on a Kassadin. Ce qui dans un sens c'est bien parce que ça nous donne une possibilité de late. En vrai je trouve ça pas ouf parce qu'en fait ça nous met dans un setup où on peut pas vraiment jouer autour de nos forces. L'avantage avec Clan, c'est que j'ai pas peur d'un stun flash de Taric. Ce qui... Dans un... Enfin, sans Clan, je meurs au niveau 2. Genre. Là, je me fais flash stun Taric, je suis mort. Sans Clan. Mais vu que je joue Clan, non seulement je ne meurs pas, mais du coup, je peux ne pas avoir trop peur. Faut flash, faut flash. Ah, dommage. Il mourra pas, un canon, hein, je te le dis. Ok, alors j'ai très mal joué. Good job. Mais Kaïsta a encore moins bien joué. Et tant mieux. Ok, c'est à vraiment vraiment troller le move. Le minimum t'es qu'à récupérer un kill et en vrai de vrai si elle joue bien elle récupère deux. Tant mieux. Parce qu'on avait pas mal trollé. On a quand même utilisé 3 flashs pour ça, on récupère 2 kills. On va repush. J'ai la D pour clear les casters. Et merci Thresh. J'ai peur de perdre un creep pour rien là. Aucune info bot. On peut-être recall pour acheter une épée longue. An enemy has been slain.
Allez, acheter des bots. Petit solo kill au top. Allez, full tilt, je crois, au mid. Petit hook. Je mon zap, il touche le hook. Toujours ma clan, si avec Karim. Faut que je pousse cette wave avant de pouvoir décale. Je deny les fruits. Ok, vas-y, on va go Drake, ça me va. Kassadin est un peu énervé, je pense. Lock-in Kassadin puisse se plaindre de se faire arracher le cul en early. Merci beaucoup, Kilowatt, pour les 6 mois. Elle l'a envoyé que ici. J'ai envie d'essayer quand même de slow push la wave. Je vais perdre des creeps. Si elle... enfin, quelqu'un pouvait s'occuper des casters là, les 3 casters qui ont moins de 50 PV. Ce serait cool. Merci beaucoup pour le sub. Enfin, je peux le temps lire le pseudo. Je prends les 2 creeps. Merci Wangzal. Pris l'auto. On pensait que j'ai recall théoriquement. Je vais laisser la prio. Le MQ. Je peux remêler mais je voulais pas prendre le... Non, j'ai perdu les deux casters. Je back, je pense. On commence bien sûr le recall, c'est un free kill. Enfin, hook de Thresh qui touche. Troller un peu. Flé. Ah, je suis mort. On va tuer les deux. On s'est mal compris avec Thresh, my bad. Après la flash quand même. Je vais aller push mid. Il est low? Non, pas assez low.
Mon casse peut push, il a pu récupérer une plate. Nice. J'avais pas de bot hein, donc on allait pas très vite hein. Il y a la plate à récup. Je suis mort. Salut BG. Nevermind. Yep. Nevermind. On va repartir bot. Merci Omakwa pour les 19 mois. Bon, c'est vraiment que j'allais y passer, mais Thresh a très bien joué. Il a joué exactement quand il fallait jouer, c'est-à-dire qu'il s'est split par rapport à ma position. Du coup. DK, pousse-le vers le bas. Nice. Il s'est split par rapport à ma pose, du coup il pouvait pas me commit sur moi, sinon il y avait une lanterne Thresh. Et comme ils ont go sur Thresh, Thresh a pu les flay et disengage. Enfin, franchement, il a vraiment bien joué. Parfait. Ce qu'elle fait. Pour pressure bot. Vas-y, on va Rico, il y a Kaista qui va arriver, on a 1200 gold donc on a un excellent zèle à aller prendre. On va chercher de la mousse speed vu qu'on joue sans ghost. Tant de match we have faire, vous êtes air, just scale and play for Kassajinx. Ouais, on est fine hein. Merci Mild, pour 19 mois. Mon Kassadin est totalement activé aussi. La Kalista sert plus à rien. Elle veut back normalement. Je place les Schumper en pré-shot de flash. Hein. Est-ce que j'ai le temps de prendre la T1? On a 3 Void Grub, ouais je pense. Hein. Ouais, je peux avoir le first blood tourelle avec les deux plates, c'est excellent. Tu peux trash si tu veux les gold, tu peux. Merci, c'est le goat. J'ai bien aimé l'assist sur le Drake, mais tant pis. En vrai j'ai déjà 5 kills, 5 assists je pense. Ah, je suis peut-être pas full stack, mais... Ah, je suis full stack déjà, putain c'est tellement tôt frère. J'ai beaucoup de KP, hein. J'ai 10 KP déjà, c'est énorme. Ouais, danseur fantôme tous les jours. Il me manquait un peu d'argent. Je vais déplacer ma pink. On va se mettre mid. Kassa va aller en side. Oui, d'assist. Oh mon canon. Il y a Karim bot side. Je vais push mid.
J'ai eu un peu peur, il y a Kaim là. En fait, il avait l'ulti, j'avais pas envie d'utiliser mon flash, du coup, je me cachais derrière Thresh. Et je me suis dit, au bout d'un moment, j'étais en mode, je vais juste l'ulti, on va pas se faire chier. Il était full slow par l'ulti de Thresh et le glacial. Très très plaisir de jouer avec un bon support. Franchement, il bosse. Can I go? Merci. Oh, Kalista est full tilt. Il joue lanterne. Parfait. L'ulti way. J'ai une plante ici de ville. On va se replacer mid. Alors je suis low HP. Mais je suis vraiment menaçant pour enlever un Kalista. On va recall. Oh, je vais aider à l'Herald quand même. Alors normalement. Normalement, je saurais quand même avoir l'assist sur les RAL. Et du coup, faire ce back normal et le prochain back qui sera buffé. Je sais pas combien de temps reste l'assist en vrai de vrai. Je sais pas s'ils vont le tuer à temps. Non, j'ai pas l'assist open. Quoique. Si, je l'ai. Nice. Ok. Alors, je sais pas c'est quoi la durée, mais ça dure plus longtemps qu'une assist classique. Et Kaim est mort. Nice, ça va être son bounty. Je vais aller faire les raptors. On va stay mid au calme, je pense. Gregas, c'est un peu chiant. C'est Warday, il va être inquiète. On lui laisse la ward, ça fait plus d'argent. Ouais, il peut y avoir que Karim qui arrive en backup, voilà, c'est Gragas. Il y a pas. Peut-être qu'il a essayé de TP out, ouais. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un avait TP en backup. Nice. Cette game. Alors la game est plus ou moins free. Donc je vais tenter un truc avec l'Herald, ok. Ok, je sais définitivement pas conduire l'Herald. Après je pense que j'aurais pas pu. Avec ce puffing là. Je voulais essayer d'aller chercher la tête de bot. Je pense que j'aurais pas pu anyway. Parce que j'ai essayé de prendre le virage tôt. Ouais, je pense que j'aurais pas pu. J'arrive, vous avez raison, je troll. Bon, ça proprement. Tu mérites, Thresh. On a lieu, on a lieu. Je vais juste push mid. Une tour recall. On a le fast recall de l'Hérald de tout à l'heure. Et on va avancer sur Eldir.
Si, c'est juste que t'as pas le permis. Moi, je pense pas que je puisse. Hein. En fait, si je le prends ici, l'Hérald, en gros, plus je le déplace et plus c'est compliqué. Je pense pas que je puisse hitter de bot depuis ce puffing là. Je peux sur le top side, mais je pense pas que je puisse de mid à bot side en étant blue. Ouais, je suis super fed. Hein. Il est pas mort. Ah, j'ai quand même une reset. Je le hit, il a flash. On se go push. Hein. On a 4 morts, on peut. Moi oh, je décale frère. Ok ça va. Ah parce que mon support il a fait trop de choses pour moi, je le laisse pas comme ça, hein, je te le dis. Hein. Je peux lui sauver le cul, je me déplace instant. Hein. GG. Nice. Bien joué, Daylight Carrier On. Très appréciable cette game. Franchement, pouce bleu, rejouerai avec toi.